All right, so this is the last assignment. It's just reading comprehension and answering some questions. The questions are in English, and you are asked to answer them in English. They are in chronological order, should be pretty simple. I figured I would read it for you just because, it's been a while since you've listened to some good chunks of French being spoken. I guess it's not mandatory though, so if you d want to skip that part, go ahead and go straight to the questions. You should have the text in hand with you. All right, so un voyage gastronomique. Charles Smith est un étudiant américain à l'Université du Michigan. Il fait du français parce qu'il s'intéresse au commerce international. Charles a toujours eu envie d'aller en France pour travailler son français. L'été prochain, il réalisera son rêve. Quand il passera 2 mois en France, il voyagera dans toute la France. Charles est un vrai gourmand, c'est-à-dire qu'il aime bien manger. Il sait que la France est connue dans le monde entier pour sa bonne cuisine. Chaque région a ses spécialités. Alsace. Charles va commencer son voyage à Strasbourg, en Alsace, près de la frontière allemande. Là, il prendra sans doute une choucroute avec du jambon, des lardons et des saucisses. La cuisine alsacienne ressemble à la cuisine allemande. Provence. Ensuite, Charles ira dans le sud en Provence. Quelle différence! En Provence, on mange des pâtes et même de la pissaladière, un genre de pizza. Dans les plats provençaux, on utilise ce qu'on appelle les herbes de Provence, du thym, du laurier, du basilic, du romarin. On utilise aussi des tomates, des oignons et de l'ail. La cuisine est toujours faite à l'huile d'olive. On n'utilise pas de beurre. Bourgogne. Après 8 jours en Provence, Charles visitera la Bourgogne. La Bourgogne est une région de vignobles. Les vins de Bourgogne sont très appréciés et on les utilise beaucoup dans la cuisine bourguignonne. Bien sûr, Charles va manger un bœuf bourguignon, une des spécialités de la région. On prépare le bœuf bourguignon avec du bœuf, bien sûr, mais aussi avec du vin rouge, des oignons, du thym et du laurier. On le sert avec des pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur. Un vrai régal. Bretagne. Ensuite, Charles ira en Bretagne, dans le nord-ouest. Il visitera de jolis villages de pêcheurs comme Cancale, par exemple. Et qu'est-ce qu'il va manger en Bretagne? Il aura l'occasion de manger les meilleurs fruits de mer du monde, des huîtres, des moules et des coquilles Saint-Jacques. Normandie. Avant de rentrer à Paris, Charles passera par la Normandie. Comme la Normandie est une région de pâturage, il y a beaucoup de vaches. Pour cette raison, les Normands préparent leur sauce avec de la crème et du beurre. Une escalope à la Normande est une escalope de veau avec une sauce à la crème et des champignons. C'est délicieuse. Quand notre gourmand sera en France, il apprendra sans doute que la cuisine en France, c'est un art. Et quand il rentrera aux États-Unis, il aura certainement pris quelques kilos de plus. All right, so all you have to do now is go to the document where you have 10 questions, answer them, and submit it, and you are done.